à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les élections législatives. Sur les élections pas vraiment. Ce que je souhaiterais regarder avec vous, c'est la suite. Est-ce que l'économie va se redresser oui ou non Je ne vais pas regarder parti par parti et les filles la nouvelle Nupes, le Front populaire, le RN, son alliance avec les LR ou pas, euh, la Macronie. Je ne vais pas regarder un bloc ou l'autre. Je vais regarder d'une manière générale si ce qui nous attend sera meilleur ou pas. Parce que l'économie, eh bien, c'est ce qui va nous permettre aussi de créer de la richesse, de créer des emplois, peut être de faire fonctionner les services publics. Vous voyez que l'économie est un secteur clé. On a beaucoup dépensé, vous savez que la France est à 3 000 milliards de dettes, un chiffre qui fait, qui fait rêver ou qui fait pleurer, je ne sais pas comment faire. Mais avant de regarder cela, vous savez, vous avez entendu, beaucoup de monde donne son avis sur les élections et vous dit pour qui voter. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire pour qui voter. Ce qui est important, effectivement, ou certains ont raison, c'est qu'il faut voter. Mais ce qui est important aussi, c'est de voter pour celui que vous souhaitez. Le seul conseil que je vais vous donner, si vous me le permettez, au-delà des émotions que l'on essaye de vous faire ressentir, posez-vous la question. Les mesures que chaque gouvernement, chaque... Non, les mesures que chaque euh, parti souhaitent vous promettre, sont-ils réalisables Est-ce que les mesures que l'on vous promet vont-elles dans le sens de ce que vous souhaitez Deux questions simples. Finalement, c'est le principal. Parce que c'est ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas écouter les gens qui vous disent pour qui voter, des footballeurs qui parfois ne savent pas aligner deux mots. Je sais, je suis un, un petit peu ironique sur le coup, mais je suis un petit peu profondément agacé de l'attitude des sportifs, des artistes, qui pour certains ont quitté la France et vous disent pour qui voter alors que vous, vous habitez en France. Et puis de bien d'autres. Mais quand on regarde leur sociologie, ils sont parisiens pour la plupart gagnent énormément d'argent, et c'est ces mêmes personnes qui disent, pour ceux qui, à la fin du mois, pleurent devant leur assiette, ou ont des difficultés quotidiennes pour euh, se nourrir, se vêtir, pour se loger. Donc tous ces donneurs de leçons sont devenus profondément agaçants. Votez pour ceux en qui vous croyez. Votez pour ceux qui ont un programme qui vous semble cohérent avec ce que vous souhaitez. Ce que moi je pense n'a pas d'importance. Pour qui je vais voter n'a aucune importance. Vous voyez, il faut rester totalement neutre. Vous avez envie de voter pour Macron Eh bien faites-le. Vous avez envie de voter à droite, à gauche, mais faites ce que vous voulez. L'important, c'est de vous exprimer. Et l'important, c'est de regarder ce que l'on vous propose tout en vous disant, est-ce que c'est réaliste Est-ce que c'est réalisable Voilà pourquoi les vidéos que je fais et que je vais encore faire avant ces élections sont là pour vous guider, pour vous donner des réponses. Et après, c'est votre libre arbitre, vos choix. Alors ici, ma question à l'oracle va être très simple. Comment va évoluer l'économie française après les élections législatives et jusqu'à la fin de cette année Vous voyez, la question est relativement simple. Elle permet de voir si après les élections législatives, un tournant sera pris pour que les choses s'améliorent pour l'économie française. On ne peut pas redistribuer, on ne peut pas faire fonctionner des services publics, on ne peut pas faire quoi que ce soit si l'économie est en panne. Vous voyez, parfois, ma main est guidée vers une carte ou vers une autre. J'hésite. Elles viennent ou elles ne viennent pas. La première carte, c'est une carte mercurienne. Vol-perte. Déjà, rien que le nom, ça n'engage rien de très bon. Alors vous voyez quand même une carte mercurienne, ça veut bien dire qu'on s'attache à l'économie, qu'il y a des réseaux. Parce que n'oubliez pas, Mercure, ce sont certes la communication. Donc on pourrait dire on parle de l'économie. Oui, c'est vrai, puisque c'est mon sujet. Mais vol-perte, derrière, c'est une autre connotation. Et puis, je reviens à Mercure. Mercure, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux de connaissances, les réseaux de travail, tout ce qui est réseau. Vol-perte. Si on met ça en lien, on a l'impression, quelque part, vous m'excuserez du terme, mais d'une sorte de mafia qui gère l'économie française. Alors j'ai pris mafia parce que c'est bien dans l'image, si vous voulez, de ce que l'on peut s'imaginer. Ce n'est pas la mafia, bien sûr. Mais on a l'idée d'un agglomérat, d'un réseau de personnes qui gèrent l'économie française et qui se servent grandement. Attention, je n'accuse pas un gouvernement, pratiquement. Ce que l'oracle montre, c'est qu'il y a des gens qui gèrent l'économie française et qui s'en mettent plein les poches. C'est une constatation, ce n'est pas une accusation, mais c'est une constatation. Il y a donc l'idée de quelque part de quelque chose qu'il faudrait mettre dehors pour que ça fonctionne. Parce que si finalement on garde les mêmes rouages, les pertes, le vol, sera la même chose. Alors, on peut y voir, bien sûr, toutes des personnes qui souhaitent absolument rester eh bien, dans ce qui est dans un format identique. Cela explique peut-être aussi pourquoi, à travers ces élections législatives, eh bien, euh, certains partis, un petit peu considérés hors système, qui ne rentrent pas bien dans le moule, font peur. Voilà aussi peut-être pourquoi la Macronie, certains LR, certains socialistes essayent de garder des privilèges. Parce que si on remonte un tout petit peu le temps, les socialistes sont là depuis les années 80. Le centre avant était Valéry Giscard d'Estaing. Certes, on a eu depuis François Hollande, Sarkozy, Chirac. Mais en fait, on a l'impression qu'on est resté dans les mêmes. Les mêmes univers. Là quelque part, on a une continuité de ce qui s'est passé. Volpert reflète tout simplement l'idée d'un réseau qui se sert bien sur l'économie française et qui n'a surtout pas envie que ça change. Alors qu'est-ce qui va aller contre l'économie française Les divisions. Nous sommes sur une carte martienne. Mars. C'est l'agressivité. Ce qui peut refléter quelque part dans les divisions pour l'économie française, eh bien, regardez, on a un oiseau qui tourne ici, un qui se trouve au centre, qui pourrait être Macron, hein, tout simplement. Il faut voir par rapport aux repères que l'on a actuellement. Et puis, à gauche comme à droite, et les filles, et le bloc RN. Si on regarde cette carte et qu'on tente de l'analyser, elle est intéressante parce que le président, comme je vous ai dit, elle est fille, elle est reine. Est-ce qu'il reste des LR qui vient là Ça nous montre un petit peu de quoi serait composée l'Assemblée nationale. Alors, n'y voyons pas celui qui est sur la plus haute branche. Hein, ça n'a pas d'importance, ce n'est pas l'idée de la carte. Mais ce qui va aller contre l'économie, eh bien, des divisions encore. En fait, on a l'impression que, d'un côté, à droite comme à gauche, impossibilité de s'entendre, DLR qui tourne en rond et qui ne savent pas dans quel sens aller, et Macron qui continue à tirer les ficelles. Alors, si on a cette idée là, si Macron tire les ficelles, il faut analyser la carte au delà des apparences. Ça nous montre déjà qu'il semblerait qu'il n'y ait pas vraiment de majorité absolue. Ça, c'est un danger. Je dis il semblerait parce que le tirage n'est pas spécifiquement là-dessus. Mais, vous voyez, on, on, sent, on sent un petit peu que quelque part, on s'y dirige quand même. Mais on verra, je ferai un tirage spécifiquement sur le, les résultats des élections au premier tour, même si là, on a eu quand même beaucoup d'avancées par rapport au tirage précédent. Mais il faudra faire un tirage entre les deux tours, donc entre le premier tour et le deuxième tour. Je ferai un tirage pour voir les tendances si on a une majorité absolue qui se dessine dans un camp ou dans un autre. Là, ce qui m'ennuie beaucoup, c'est le rôle de Macron. De Macron et de la Macronie. Qui semble être un petit peu l'arbitre. Et si on regarde sur l'économie, n'oubliez pas que la France a besoin... De, de finance de financer sa dette pour rembourser les emprunts qu'elle a déjà souscrits imaginez-vous vous avez plusieurs crédits chez vous et vous avez besoin d'un de, de nouveau, de, de nouveau crédit pour payer les anciens c'est un petit peu l'idée de, de la dette française eh hein. bien on a l'impression que ça va être compliqué parce que macron va gérer la division à l'assemblée nationale et va se poser en arbitre, et quel que soit le camp qui domine, va continuer à tirer les ficelles. Est-ce qu'à un moment, on n'est pas en droit de se poser la question, est-ce qu'il ne va pas simplement faire couper, par ses liens, l'arrivée de, de monnaie en France Est-ce que finalement, la dette française pourra être financée C'est ça l'idée. Parce que là quelque part, s'il demande à ses amis de Davos, finalement à l'Europe, de couper l'arrivée de flux monétaire en France, en fait, si la France n'a plus d'argent pour payer sa dette, c'est le chaos en France, et il fout l'économie française par terre. Voilà, je vous l'ai dit avec des mots simples pour que tout le monde comprenne. Des fois, je me perds dans les explications et je reviens à des mots beaucoup plus simples. Peut-être plus percutant, peut-être un peu trop familier, mais on voit bien que Macron va être celui qui tire toutes les ficelles et que des deux côtés ne vont pas être capables de s'entendre. Effectivement, on le voit bien, le RN ne pourra pas s'entendre avec LFI et LFI ne voudra pas s'entendre avec le RN. Aucun des deux blocs ne veut s'entendre et aucun des deux blocs ne pourra faire le job tout seul. Non pas à l'assemblée pour voter des lois, mais encore pire sur l'économie parce que Macron sera là pour savonner la planche à chaque fois. Alors le Conseil sur l'économie. Il est clair, il va falloir à nouveau une nouvelle donne. On a l'impression que que l'oracle est un petit peu pessimiste et dit que finalement, quel que soit le résultat de ces élections, il faudra refaire quelque chose au niveau des élections, ravoir une nouvelle dot. <coughs> Pardon, j'en étouffe. Comme si finalement l'oracle était déjà en train de nous dire, la majorité qui sera présente d'un point de vue économique ne pourra pas tout résoudre et ne pourra pas résoudre le problème économique français. Constat très pessimiste. Nous sommes ici avec une carte d'incertitude, ce qui veut dire que tout le climat, jusqu'à la fin de l'année, restera lunaire. La lune, ce sont les angoisses. Ce qui montre bien que il n'y a pas de solution. En tout cas, c'est ce que ça me donne comme, comme idée. Et pire encore, l'oracle est très très pessimiste sur l'économie française. Parce que là, c'est la carte départ. Nous restons dans les deux cas sur l'économie avec une économie lunaire. Le septénaire de la Lune, c'est le septénaire des angoisses. Ce qui montre que quelque part, rien ne fonctionne et qu'on se fait peur avec l'économie. Mais quand je vous disais pire encore, l'oracle nous dit ici, à sa façon, que ce que nous allons vivre dans les mois qui viennent est quel que soit le gagnant des élections législatives. Vous avez bien vu, je n'ai pas donné de parti, que ce soit LFI, Macron, le RN ou un autre. Non seulement rien ne changera, mais pire encore, ça va s'aggraver. Alors ce n'est pas que je veux vous faire peur. Vous savez que ce n'est pas du tout mon genre. Mais ce qui montre, ça va s'aggraver. Le meilleur, la carte dit, le meilleur est derrière nous. Ça ne veut pas dire que dans deux ans, trois ans, ça n'ira pas mieux. Mais ça veut dire que sur les mois qui viennent, quel que soit le gouvernement, il ne faut pas attendre de miracles. Rappelez-vous que j'ai fixé jusqu'à la fin de cette année. Et il ne faut pas attendre de miracles parce que Macron va continuer à tirer les ficelles. Ne l'oubliez pas. En tirant les ficelles, il va continuer à nous pourrir la vie, à savonner la planche du futur vainqueur des élections législatives, et quel qu'il soit, que ce soit à gauche ou à droite, il savonnera la planche, et si c'est son propre parti qui gagne, de toute manière, il n'y a plus rien à faire. Le constat est très embêtant, très inquiétant sur cette fin d'année. Regardons à présent, parce que je n'aime pas la note pessimiste, mais on va essayer de regarder ce qui se passera sur cinq ans. Et rappelez-vous les tirages que j'avais fait précédemment hein, sur, euh, sur l'économie française, sur la politique française. J'avais toujours dit que celui qui viendrait après Macron, après les années de Macronie, ça allait être très compliqué, qu'on lui reprocherait la difficulté qu'on lui reprocherait le manque de résultats alors qu'il ne serait pas la cause de ce manque de résultats, mais il prendrait des mesures très impopulaires afin de redresser l'économie. Je vous avais déjà mis en garde, regardons sur 5 ans. Comment va évoluer l'économie française sur 5 ans Ça peut peut-être montrer un espoir sur 5 ans. Effectivement, si... On souffre six mois, un an, et qu'après tout va mieux. C'est un petit peu ce qui se passe en Argentine, hein. contrairement aux images que l'on veut essayer de montrer. Oui, les Argentins sont plus pauvres qu'il y a deux ans, mais l'opinion du peuple argentin, c'est qu'ils peuvent entrevoir le bout du tunnel. Les mesures sont impopulaires, c'est vrai, mais elles donnent de l'espoir. Voyons si on va être dans le même cas de figure. Campagne santé nous montre que quelque part, on va se dire, on va prendre du recul. On va essayer de voir un petit peu comment ça se passe. Ce qui montre que les Français vont déjà avoir du changement. Je vous l'avais dit, la Macronie va chuter au premier tour. Au deuxième tour, on ne les sent pas mieux. Si les Français prennent du recul pour regarder ce qui se passe, ça ne se fera pas avec le camp présidentiel, forcément. Que ce soit gauche ou droite, il va y avoir du changement, et les Français se dire, eh bien, les Français vont se dire, eh bien, on va regarder, on va essayer de voir. Ce qui montre aussi la sagesse des Français vis-à-vis -vis de ça. Alors, ce qui va contre, bon, les difficultés, et vous voyez, les annonces vont être difficiles. Mercure, c'est la communication. On est en opposition, ça veut bien dire que toutes les mesures même si elles vont dans le bon sens, seront difficiles à avaler, pour le moins. Et il y aura d'autres décisions qui ne vont pas améliorer l'économie sur cinq ans. Ce qui semble montrer aussi que finalement, quand on veut prendre certaines mesures, par exemple pour le pouvoir d'achat, qu'on mette le SMIG à 1600 euros puisque c'est une des mesures de gauche, mais on le mettrait à 1500 ou, ou dès qu'on va toucher, si vous voulez, aux revenus des Français, il va falloir financer. Et tout ce qui va être mis à la poche de l'État, ça va être difficile pour l'économie. Ce qui montre quand même que quelque part, on est vraiment dans une situation extrêmement mauvaise. Il n'y a plus de marge de manœuvre. Qu'on soit de gauche ou de droite, il faut rester neutre et il faut être conscient qu'il n'y a plus de marge de manœuvre et que les promesses que l'on nous fait, elles me semblent très difficiles à tenir. En tout cas, dans ce domaine-là. Le conseil pour l'économie, c'est d'être conscient que on a mangé notre pain blanc. Donc, sur cinq années, vous voyez, on ne va pas revenir à un niveau d'économie satisfaisant. J'en suis désolé, j'aurais préféré vous annoncer autre chose. Mais bon, on va essayer de continuer à voir. On nous montre qu'on nous a menti. Difficulté. Vous voyez, nous avons une carte martienne en résultat. L'économie française, au bout de 5 ans, ne sera pas redressée. Pire encore, on nous ment. On va nous mentir encore. On va nous mentir parce qu'on veut nous cacher l'état réel du pays. Il faudrait faire un grand audit peut-être pour voir et nous le communiquer honnêtement. Ce que nous dit la Cour des comptes, bien sûr, elle fait ressortir des choses, mais peut-on réellement leur faire confiance Nous sommes sur l'économie française, sur une vaste crise de, de, de confiance qui nous attend. Ça va être difficile compliqué. Et que même si le français va se dire on laisse du temps au temps pour changer les choses, il faudra plus de 5 ans. Plus de 5 ans pour s'en sortir. Et je pourrais demander à l'oracle quel sera l'état de l'économie française dans 10 ans. Et je vais remplacer cette carte ici. Dans 10 ans. Elle n'est pas redressée. Quel sera l'état de l'économie française dans 15 ans Alors, c'est intéressant parce que vous voyez, nous avons... Je vais enlever ces cartes-là pour qu'elles ne troublent pas le tirage. Si on observe, dans 5 ans nous sommes dans les difficultés. Elle est même agressive l'économie, ce qui montre que quelque part, il y aura des mesures compliquées à subir. Et puis ici, on aura encore des difficultés. Mais elles ne sont plus sur les mesures, elles sont plutôt sur les orientations à prendre. Ce qui montre qu'un cap sera passé au bout de 5 ans. Mais je sais, certains d'entre vous sont âgés à plus de 80 ans, et se disent dans cinq ans où je serai, peut-être ne serai-je plus là, peut-être ne verrai-je jamais ça. Malheureusement, que vous dire d'autre? Je ne veux pas vous mentir. Et quelque part, c'est logique, nous sommes dans une telle difficulté, comment imaginer que dans cinq ans nous soyons sortis de là? Ça semble irréaliste. En tout cas, les mesures. Les, pendant les cinq prochaines années seront difficiles. Après, on nous sommes à dix ans, ce qui veut dire entre cinq et dix ans. C'est difficile. C'est difficile, mais l'orientation a changé. Les mesures commencent à porter leurs fruits quelque part. Parce que nous sommes sur du pourparler. Nous ne nous déchirons plus sur comment on va avancer. Je dirais qu'à cinq ans, le plus dur est fait même s'il reste encore du chemin. Mais la note positive, elle est là sur 15 ans. Le soleil, la réussite. Ce qui montre que quelque part, les cinq prochaines années vont être cruciales. Il y aura des législatives, nous allons les vivre là, il y aura une élection présidentielle et tout ça eh bien il semblerait que nous allons faire des choix qui vont nous permettre grâce aux élections grâce à des peut-être des changements de gouvernement de redresser le pays vous voyez que le tirage est totalement neutre il ne vous dit pas si vous allez voter dans un sens si vous devez voter dans un autre il montre que simplement les difficultés sont importantes et qu'il nous faudra du temps une quinzaine d'années pour en sortir mais que quand nous en sortirons nous aurons totalement redressé notre pays. Les amis, je vous dis à très bientôt, le volet économique est fait. Je vais vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo sur un nouveau thème vis-à-vis -vis de ces élections.